Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ça va être un get the celebrity look. Donc hier, je me suis coiffée, je me suis fait plein de tresses comme ça. Et c'est une coiffure qui m'a fait penser à Georgia Smith, la chanteuse. Elle se fait souvent ce genre de coiffure. Je me suis dit que je pourrais m'inspirer de son look pour en quelque sorte copier son look, l'imiter, enfin m'en inspirer. Et essayer de faire quelque chose qui ressemble le plus possible à ce à quoi elle peut ressembler. Donc j'ai les cheveux, on va faire le make-up et on va faire un look ensuite. Donc pour le make-up, j'ai pris plein de petites photos sur Pinterest. Donc elle a des make-up assez naturels avec une peau très glowy, très clean. Je vais essayer de faire un teint assez unifié parce que là j'ai des cernes, j'ai des boutons. Je vais mettre un peu de marron sur mes paupières et du mascara. Je ferai un petit contour de lèvres avec du gloss assez naturel. Elle a les sourcils beaucoup plus fins que moi, donc je vais essayer de faire en sorte d'affiner un peu mes maxi sourcils. Je vais prendre de l'anti-cerne, donc je vais m'occuper de mes cernes, un peu de mon teint. Elle a quand même des cernes aussi, donc ça me fait un point commun. Je fais ça au niveau de mes yeux, en fait ça donne un effet liftant aux yeux, voilà. Je sais pas si ça marche vraiment, mais écoutez. Je suis la technique. Bon, je vais cacher un peu les petits spots que j'ai partout. Hop, 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 hop. Je vais estomper tout ça avec mes doigts qui sont propres. Voilà pour l'anti-cerne. Avant de poudrer le tout, je vais essayer de m'occuper de mes sourcils et de les affiner un peu. Je sais pas trop comment faire, je vous avoue. Je vais essayer de mettre un peu d'anti-cerne en dessous pour les affiner. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ok, je sais pas si ça a servi à quelque chose. Je vais essayer de les redessiner parce qu'ils sont plus arqués que les miens, les siens. Donc là, je vais un peu les brosser vers le bas pour qu'ils paraissent plus fins. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ils paraissent déjà un peu plus fins. Et avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre mon fard marron foncé, même un peu noir, et je vais venir juste arquer mes sourcils. Voilà pour les sourcils. Ça me fait bizarre, ils sont encore plus foncés que ce qu'ils sont de base. Mais bon, elle a les sourcils très très pleins, elle. Donc on va mettre un tout petit peu de gel pour faire tenir tout ça. Et je vais venir poudrer les zones où j'ai mis de l'anti-cerne pour pas que ça bouge. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre du marron sur la paupière, sur le creux de paupière. Donc bien à l'extérieur pour venir étirer plus les yeux. J'ai vu qu'elle mettait un peu de foncé sur la racine des cils, donc c'est ce qu'on va faire. Elle met un peu de orangé aussi, c'est pas un marron trop froid, donc je vais mixer avec un peu de orangé pour pas avoir un marron très foncé sur la paupière. Voilà, j'étire vers l'extérieur pour agrandir mon regard. Et maintenant que j'ai fait la petite base de orange, ce que je vais venir faire, c'est rajouter du marron et légèrement du noir sur la base de mes cils et on va bien l'estomper, il faut que ce soit très discret. Elle a un make-up assez naturel, je trouve ça hyper beau d'ailleurs. Donc on va rester dans les tons qu'elle utilise. Je vais venir étirer le fard pour donner toujours cet effet de dur en amande comme ça. Et on va venir estomper ce qu'on a fait là, que ce soit très flou, très fumé. Et je viens prendre un peu de noir et en tapoter légèrement sur la racine ici. Et on vient réestomper pour avoir cet effet fumé, toujours très léger. C'est super joli, c'est tout très très léger, j'adore. Et vous voyez que ça me remonte le regard en fait, le fait d'avoir fait une petite pointe comme ça. Quand tu auras le mascara, ce sera encore plus allongé. Je vais me recourber les cils et mettre mon mascara en essayant toujours d'avoir un effet très allongeant. J'ai
fait le petit mascara. Maintenant on va faire son teint. Elle a un teint super glowy. Donc ce que je vais commencer par faire avant de faire tout le bronzer etc, c'est mettre de l'highlighter liquide un peu partout, même sur les paupières et tout. Elle a toujours un teint super glowy. Ensuite on mettra un peu de bronzer, un peu de blush, et je pense que je remettrai un peu d'highlighter, parce que mieux vaut trop que passer. J'ai mis mon petit highlighter liquide partout. Je sais pas si ça se voit bien, mais je glow. Je vais m'occuper du bronzer. Du coup, on va en mettre sur les joues, sur le front et sur le menton, sur la mâchoire. Ensuite, on mettra un tout petit peu de blush parce qu'il me semble qu'elle en est pas des masses. Et on remettra un peu d'highlighter. Je mettrai du blush que sur le haut, pas sur le nez, parce que pour le coup, elle en met pas sur son nez. Elle, c'est vraiment que sur le haut des pommettes. Dernière étape de ce make-up, on va faire les lèvres, donc elle a des plus grosses lèvres que moi. On va rester toujours très naturel, je vais prendre un petit rouge à lèvres mat nude et je mettrai du gloss par-dessus. Voilà, j'ai mis mon petit rouge à lèvres et mon petit gloss, le make-up est fini, je vais maintenant vous montrer le petit outfit, c'est parti! Ok les gars, donc c'est bon, je vais vous montrer le petit outfit. Je me suis inspirée de deux photos que je vous mettrai là. Donc Georgia Smith, elle a des tenues assez spéciales, des trucs qu'on n'a pas forcément dans notre dressing, mais j'ai réussi à faire un truc avec ce que j'avais. Donc j'ai pris un t-shirt légèrement oversize avec une écriture, un petit motif noir, un cycliste noir pour aller avec. J'ai mis une paire de baskets noires. Elle a des Jordan sur la photo blanche, mais j'en avais pas. Du coup, j'ai mis des baskets noires avec des chaussettes noires. Et sur la deuxième photo, elle a des chaussettes noires avec des baskets noires un peu basses. Et sur une des deux photos, elle a des petites lunettes de soleil noires. Donc avec celle-ci, ça va très bien. C'est pas un outfit que je porterai parce que je suis pas très à l'aise avec le cycliste. Mais c'est très simple et très efficace, c'est mignon. Ah, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous trouvez le résultat assez bien. Je vous invite à aller voir sur mon Insta le jour où je sortirai cette vidéo, je ferai une photo que je posterai en essayant de reprendre une photo qu'on a vue, enfin une photo desquelles je me suis inspirée. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me dire si vous trouvez ça réussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vais essayer de vous laisser avec un petit résultat en mettant une photo d'elle et une photo de moi pour voir si c'est bien. Bisous!